Et salut à toutes et à tous, c'est Kaylor et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity. Et oui, le début enfin de cette série que vous attendez depuis très longtemps. Je peux vous dire que j'ai absolument galéré à pouvoir tourner cette série. La tournée n'a pas été problème, surtout l'enregistrement du son. Je vous explique, j'avais d'abord enregistré le son une première fois. Ça, j'avais tout perdu. Je l'avais enregistré. Une deuxième fois, j'avais tout perdu. Une troisième fois, tout perdu. Donc là, j'essaye une dernière fois. Et ça a l'air de marcher. C'est peut-être entendu un petit bruit. Il faut que je règle le son. Et je me tais. Le passé vit en nous. Les expériences de nos ancêtres sont encodées dans les hélices de notre ADN. Après 3 décennies de recherche, nos ingénieurs ont façonné la meilleure des interfaces biotechnologiques. Nous avons débloqué les vies de nos aïeux. Nous avons ouvert une fenêtre sur le passé. Pour un divertissement en immersion totale. En pressant un simple bouton, vous vivrez les moments les plus précieux de l'histoire humaine. Depuis le confort de votre domicile. Bienvenue dans Helix, où le passé devient votre terrain de jeu. Rien que ça, et bah putain. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle série sur Assassin's Creed Unity. Donc j'aurais déjà passé un petit moment à galérer. Alors, donc, comme vous le savez, vous avez peut-être compris, je ne commande pas en live. Donc là, vous voyez, en fait, je me rendais compte que tout ce qu'il y avait là, c'était d'Assassin's Creed passé. Et voilà. Mais bon, peu importe. Donc voilà, cette nouvelle série donc, qui fera partie, je l'espère, des vidéos quotidiennes ou presque. Donc je vais essayer de vous mettre au moins un épisode par semaine, ce serait bien. Et donc voilà, pendant vas-y, je vais tout membre de l'ordre héroïque des chevaliers du temps. Un homme et pas jeté. Et un esprit pris dans la confiance suprême. Dans cet épisode de Héros c'est pas bien. Découvrez les dernières heures tragiques de Jacques de Molay à travers leur. Oh, ce vent que je lui avais mis, ce vent. Popopo. Le mec manque de respect total. Manque de respect total. Ouah, le mec. Ah, vous avez compris quoi, mon gros, je lui ai mis un gros fond au pauvre type quoi. Oh mon dieu, c'est méchant. Donc voilà, c'est le début de cette nouvelle série. Je vais déplacer un peu le micro, déjà ça fait du bruit. C'est pas trop, pardon. Et je me tire pour les thématiques de préférence. Paris, 13 octobre 1307. Qui est là? Un ami du temple. Le loup. Joarak, le message du conseil est peut-être formel. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je dois parler au grand maître. Il est en séance, avec les autres. Une autre fois, peut-être. Le roi Philippe désapprouve. Va au diable. Popopo! Va au diable, carrément. Pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot? Pour ça, probablement. Trahis. À vous épées, messieurs. Défendu le temple. Pas toi, mon frère. J'ai une autre tâche à te confier. Viens avec moi. Alors, c'est parti, ouais. Je vois agis plus vite que prévu. Quelqu'un d'autre le mérite. Bienvenue dans Assassin's Creed, donc voici Arnaud. Non, c'est une blague. Hein. Ça fait des décennies que les Cam mongols ont sapé leur pouvoir. Les assassins existaient bien avant Massia. Leurs illusions anarchiques sont aussi virulentes que la peste, et encore plus tenaces. Nous ne triompherons pas ce soir, mais si tu te rates, notre ordre peut être sauvé. Que dois-je faire? Rends-toi à la prends l'épée de Nîmes, cache-les,
Ils ne doivent pas tomber entre les mains des assassins. Grand maître, je... Va ! Oh, le tagueur qui lui a mis. Bon, on s'en bat totalement les rames de ce qui se passe autour de lui. Ah non, tu... C'est ça, impulsion, non. Voilà, c'est mieux. Abaissez-le pour le vide ! Abaissez-le ! Bon sang ! Voilà, au passage, les vidéos auront une durée beaucoup plus longue. Je vois que cet épisode, hors de l'intro et de l'outro, fait... Donc 28 minutes 38 secondes et 24 centièmes. Ce sera des épisodes entre guillemets double. Ce qui est une première pour la chaîne. Bon là j'arrivais pas à monter à cette échelle à la con là. Ça a pris. Bon je précise que j'ai déjà fait le jeu en entier avant, avant de faire ça. Voilà. Donc là je comprenais pas qu'il fallait passer par l'autre fenêtre. La quatrième fois que j'entends ce bruit là du mec, je fais oh bon. M'a toujours fait rire. C'est pour ça que j'ai pas entendu trop de bruit parce que j'ai joué un peu sur l'intensité du micro pour que ça marche bien et tout. Franchement, bats les reins du fufu. Donc cette vidéo devrait, je l'espère, sortir donc ou le lundi ou le mardi. Ça dépendra de quelques trucs, mais peut-être que ça sortira le lundi, c'est-à-dire aujourd'hui. Je ne sais pas, ça dépendra de quelques détails. Allez, on court. Vas-y, cours, cours. YOLO. Ah oui, c'est vrai que... Ah d'accord, donc les templiers ne savent pas faire ceux de la foi, ils ont pas la foi. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué, que je ne savais pas. C'est que les templiers ne peuvent pas faire ceux de la foi. Enfin, j'ai pas joué à Assassin's Creed Rogue, mais ça veut dire qu'ils peuvent pas. Pardon, un fumigène, tu crois que tu prends pour un CRS ou ça passe comment? L'avion pour avoir son costume plus tard. Je suis combien de trouées d'ailleurs. Alors je tiens à préciser que parmi les séquences suivantes, il se comporte des bugs. C'est-à-dire que là, vous voyez, il devrait fuir et il devrait être un objectif à... En fait, je vous explique. Là, lui est en mode combat, pas nous. Il devrait fuir, il devrait être un objectif à suivre et c'est pas le cas. Donc c'est un énorme bug et c'est très chiant. Et je crois que si je... Je crois qu'il va se téléporter. Voilà, il s'est téléporté. Bah, un gros bug, hein, ce sera dans Bug Hunter, ça probablement. Énorme bug. Alors, on repasse notre combat. Et c'est toujours bugué, c'est-à-dire que maintenant il est immortel. Super! C'est pas abouti! Évidemment, je le savais, hein, je veux dire, c'est pas la première fois que je vois cette image. Donc là, bah, je me laisse tuer pour voir un peu. Enfin, peut-être. Ça sert à rien, donc il est totalement bugué. Enfin, je me laisse tuer pour commencer. Super, hein. Merci Ubisoft. Alors, j'essaie de mettre un peu de trop pour moi, parce que c'est pas le cas. Mais je ne peux pas. Super. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, voilà, on se bat inutilement. Quand est-ce que tu comprends que tu peux juste laisser tuer tranquille? Voilà, là je comprends que tu me laisses tuer. Ah, j'avais pas le choix, fait que je me laisse tuer. Donc si on fait un compteur de mort, ce qui est probable, ça ne rentre pas dedans, clairement. Par ici, donc on a juste à le trancher. À la caméra qui a quand même.
Alors, il faut le suivre. Voilà, donc on le suit, on le suit, on le suit. On court, on court, on court, on court. Schlink, Schlurg, Schlurg. Le truc assez chiant, c'est qu'on voit pas sa vie. Et voilà, l'épée. Elle me dit quelque chose. Hein. C'est l'épée des ténèbres. Voilà, c'est pas un spoiler, hein, on le voit. C'est l'épée des ténèbres. Moi je parle pas parce que c'est un peu important et tout, c'est une cinématique bon, que j'ai le droit de pas parler. Voilà voilà. Voilà, c'est l'épée d'Eden quoi. C'est-à-dire quand même qu'il a réussi à tordre la lame pour pouvoir la mettre dedans. Enfin bon. Après je dis ça, je dis rien. Oh mon dieu, ils ont capturé Jack de Molay. Et toi t'es mort en fait. Par le mec que t'as tué tout à l'heure. À moins qu'ils aient tous la même tenue. J'avais pas pensé à ça, peut-être qu'ils ont juste tous la même tenue en fait. Devant le Seigneur Tout-Puissant. Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments ne saurait effacer les maux que tu as infligés au temple. Je vous maudis. Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang. Soyez tous damnés. Et je crois qu'ils ont calculé comme des abrutis pour savoir qu'en fait la 13e génération, c'est donc durant la Révolution française. Consumé par les flammes de la faim et de la colère. Les chevaliers du temple, les fiers gardiens ancestraux de la paix, de l'ordre et de la sagesse, venaient tous de s'éteindre. Faux. Ouais, on va lancer un mouchard. Au moindre signe d'Abstergo, sors-moi de là. C'est bon. J'ai un visuel. Hey, salut. Tu dois tourner sur les stabilisants, alors écoute bien. Je m'appelle Bishop. Bon, c'est pas mon vrai nom, mais t'as pas besoin d'en savoir plus. La vidéo ne me meurt pas. Abstergo se sert de toi. Il pirate tes neurones dans le but de fouiller des mémoires génétiques. Cette organisation a déjà pris le contrôle d'un grand nombre de sociétés, des gouvernements, des médias et des ONG. Mais maintenant, ils ont décidé de s'approprier l'histoire. C'est vraiment flippant, je sais. Mais notre mission est de les arrêter, et on a besoin de ton aide. Digone, charge la séquence génétique AD16, B13, I87. Je te prépare ça. Donc votre vidéo ne bug pas, c'est normal, c'est le jeu comme ça. La semaine dernière, on a piraté une banque de mémoire non séquencée par Elix d'Abstergo. Pour le moment, on aimerait te faire explorer une partie de la vie de l'arme, pour que tu comprennes un peu mieux le combat qu'on mène. Après ça, tu pourras choisir pour quel camp tu veux te battre. C'est à toi de voir. Et enfin, on a le contrôle d'Arnaud. Et oui, enfin. Enfin, on va avoir le contrôle d'Arnaud. Alors, je précise que dans la première version des épisodes qui étaient censés durer moins d'un quart d'heure, ça coupait en plein milieu de cette cinématique. Hein. Donc voilà. Je vous ai épargné ça. Surtout qu'à l'époque, c'était censé être publié par Metabou, ce qui voulait dire un épisode toutes les 3 semaines. Ou ça vous aurait laissé sur cette cinématique pendant 3 semaines. Je pense pas que vous auriez supporté. Versailles,
27 décembre 1776. Ah ouais, ça ressemble vachement à décembre. Hein. Ça ressemble, on dirait vraiment que c'est l'hiver et tout, qu'il fait froid. Arnaud. J'ai l'impression qu'il y a un décalage son image. Courage. Chez moi, ça saccade un peu et j'espère qu'il n'y a pas de dégâts chez vous. Tu vas m'attendre ici. Sinon, ça veut dire que c'est même moi qui ne serai pas de vous. Quand cette aiguille sera en haut. Ce sera très long. Moins long que tu ne crois. Et à mon retour, nous irons voir le feu d'artifice. Et Arnaud, pas d'exploration, compris ? Oui, père. Bon voilà, j'en parle pas beaucoup parce que il y a pas mal de cinématiques au début, comme dans beaucoup de jeux, et que j'ai pas grand chose à dire. À part que c'est un très bon jeu, hormis le scénario. J'espère que vous avez pas entendu quelqu'un qui a sonné chez moi. Parce que voilà. Parce que quelqu'un a sonné chez moi, oui, ça vous le savez, je ne vous mens pas. Quelqu'un a sonné chez moi. Et apparemment, personne ne va ouvrir. J'espère que ça va pas me gêner. Je crois que vous avez bon entendu. C'est bon, quelqu'un va. Bon, anyway. On la suit. En fait, on va trop vite pour aller. Putain, ça saccade à mort chez moi, ça a du mal. Je sais pas à quoi c'est dû, mais ça a du mal. Enfin bref, anyway. Bon, non, c'est bon, c'est fluide. Ah bah non, c'est plus fluide. Si, je vous en demande. Là, vous avez pas entendu la porte. Voleur, remets ça en place. Repose ça tout de suite. Oh mon dieu, on est des voleurs. Truc de dingue. Wow. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, tiens. Et l'image complètement buggée, donc je ne peux pas trop commenter. C'est plutôt gênant. Voilà, donc on se cache. On se cache pour pas qu'il nous voit, même si je sais pas où on se cache, parce que je vois strictement rien, c'est absolument génial. Comment commenter une vidéo sans voir la vidéo? Il y a juste mon père qui voulait me parler, mais c'est pas le moment, je suis en train de tourner une vidéo. Donc voilà. Mais donc... Oh ouais, c'était ouf. Je vois strictement rien de ce qui se passe. C'est vraiment chez moi. Donc voilà, la rencontre entre Arnaud et Ellie. Super. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chut. Écoute. Ne t'en fais pas, ils ne penseront jamais à nous chercher. Eh bah... C'est de ma faute. C'est moi qui ai pris ces pommes. J'ai un grave décalage sur l'image, là. Je suis au moment où on entend les gardes, là. Bon, moi c'est fluide, c'est déjà ça de pris, mais j'ai un énorme décalage sur l'image. Donc, Élise. Père ? Viens ici, tout de suite. Oh, c'est horrible ce décalage. Je peux juste pas commenter ce qui se passe, moi. Et ça, refreeze. Oh, c'est horrible. Faut que je trouve une solution, je peux pas continuer comme ça. Il y a mon père qui passait, mais je suis désolée là, mais enfin, j'ai dit pourtant qu'il fallait pas me déranger. J'ai dit qu'il fallait pas me déranger pour un petit honneur qui vient. On s'en fout. C'est super. Voilà, donc le père d'Arnaud qui décède, hein. Sa montre qui explose. Non, je sais ce que je pense à ce moment-là, moi, donc. Arnaud, regarde-moi.
est-ce que le décalage serait fini? Parce que ça me semble être coordonné là. Ah non, c'est pas du tout coordonné, non, parce que je vois les sous-titres. C'est pas coordonné du tout, c'est pas grave. C'est pas grave, on fait avec. Je suis un professionnel. Non, je pense que je serai trop bien pour les prochains épisodes, parce que c'est pas possible de commenter comme ça, quoi. Le temps de chargement de 8 ans. À l'avenir, si je peux, je vous épicerai les temps de chargement. Si je peux. Tu ne sais pas gagner sans tricher, alors il faut que tu voles. 13 ans plus tard. T'es calme, Victor, je suis juste venu pour maman. Oui, je dis ça en retard, parce que je suis pas plus fort. Je serais de ton avis si on vivait dans un monde honnête, Victor, mais ce n'est pas le cas. On est en France. Je vais te tuer. Oh, fais attention à toi, tu vas te faire mal. J'étais justement en train de discuter avec ton frère. Hugo, va chercher la marée chaussée. Eh, pas si vite. Tiens. Je le tiens, Victor. Donc là, on court. Pardon. On court. Voilà, je peux me rapprocher un peu plus. Putain, ce décalage est impossible, quoi. Pardon, madame. Là, pour faire une idée, j'en suis au moment où je passe pour la première fois à travers une fenêtre. Allons, messieurs, nous trouvons bien un moyen de vous avez dû voir ça il y a quelques... quasiment 20 secondes, quoi. Ouais, il y a bien 20 secondes. Pardonnez-lui, il n'est pas civilisé. Waouh, le mec, il les insulte, quoi. Il leur choue des trucs et après, il les insulte. Bah, dites moi si ça monte, mais... Et voilà. Allez, cours-lui après, tu peux la voir. Allez. Alors ça, c'est juste pour avoir l'objectif bonus, hein. T'as crétin de forgeron dans ton genre, ne sait même pas lire l'heure. Non. Comment on l'a rattrapé, c'était énorme, ça. Et en voyant où donc mon pseudo équipe VTS. Et je ne vois strictement rien. Très bien, je vois. Un homme sage fait reconnaître qu'il a perdu, Victor. Ah, je vois enfin quelque chose. Peut-être. Je vous jure, c'est horrible comment je vois rien. Alors, comment on peut commenter comme ça, Santec? Bah, on peut pas. On peut juste pas. Je sais pas où on est à... Non, franchement, là, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait juste après, déjà? Je sais même plus. C'est gênant, quand même, cet énorme lag. Là, je suis complètement coincé. Ah oui, je suis allé récupérer le coffre, oui. Il a un coffre avec des trucs dedans, ouais. J'avais monté, oui. Alors, je crois qu'après, on a pris pour d'observation. Ce décalage de la mort cérébrale, quoi. Je suis désolée. Vraiment désolée si le premier épisode n'est pas très bien commenté. Je trouverai une solution pour faire ça mieux à l'avenir. Mais je pensais que ça marcherait. Ça me fout un putain de décalage. Donc voilà, on va prendre le Poing. Donc après, je crois qu'on va se diriger vers la suite. Tout ça, la prochaine mission. Waouh, quelle magnificence de cette ville. Et donc on a gagné 100 francs dans le coffre. Mais ce que je ne vois que maintenant. C'est pour vous dire le décalage. Voilà, une très belle ville de Versailles. Nous sommes à Versailles actuellement. Enfin, moi je suis à Montreuil, mais voilà. Dans le jeu, je suis à Versailles. Dans le jeu auquel j'ai joué plusieurs mois. Comme Rosef. Voilà, donc là j'utilise la vision deck pour savoir où il y a une botte de pain pour pouvoir sauter. Alors ça permet de vous dire en fait j'essaie de comprendre par rapport au son. Par rapport au son, j'essaie de comprendre ce qui se passe, ce qui est plutôt complexe. Voilà, voilà. Donc nous courons. J'imagine qu'on doit courir vers l'objectif. Pour l'amour de Dieu, mais où donc étais-tu? Dans ton cul. Oh, ah, oh le mec, dire que j'insulte.
Ce n'est qu'un léger malentendu. Il n'y a pas... Est-ce que votre maître sait qu'il héberge un brigand? Il est entré chez moi en plein jour, et il m'a volé ma montre. Oh, non. Eh bien, je suis sûr que la maréchaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire. Quelle affaire? C'est qui, ce Capitaine Connor? Une accusation très grave contre votre pupille, messire. Il m'a volé! Il faut... A-t-il pu te prendre? Attends-moi dans la bibliothèque. Voilà, donc... Je crois qu'on regarde Elise à ce moment-là. Ouais, c'est ça, on regarde Elise. Victor triche quand il joue au pharaon, tout le monde le sait. D'accord, tu parles à un tableau, toi, Narmel. À qui parles-tu? À personne, monsieur. Un tableau. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la maréchaussée. Une nouvelle fois. Je vous remercie. C'était quoi? La sixième fois? La septième? Il serait préférable de changer de passe-temps. Mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice. Nous en reparlerons plus tard. J'ai affaire en ville et je dois aller chercher Elise avant de partir. Elise est ici? Seulement pour cette nuit. Elle retourne à Paris demain matin. Il lui faudrait une escorte, c'est certain, et vous avez fort à faire. Je n'ai pas envie que tu lui donnes de mauvaises idées. Reste ici et vois si Olivier a besoin de toi. Au contraire, m'étonnerait. Plaît-il? Présentez mes hommages à Elise. Oh, le mec! Il veut pas qu'on voit notre petit ami. C'est quoi ce mec? Waouh, son manque de respect. Bon, car oui, souvent, le respect c'est important. Non, oui, je l'ai pas précisé, c'est un jeu Peggy 18. Regardez, je pense que c'est pouvoir y jouer, comment faire ce qu'il y a dessus. Donc, je n'hésiterai pas à faire ce que je veux, je ne me retiendrai pas. Donc voilà, c'est. Si vous êtes tout petit, ne regardez pas ces vidéos. Enfin, si regardez, mais c'est juste après. Juste regarder l'intro. Ouais. Donc vous allez trouver un corps avec des trucs cool dedans. Et je crois me rappeler donc que nous sommes montés sur un toit et faire l'outro de cet épisode à la fin, la conclusion. L'outro c'est après. C'est moi qui l'ai fait d'ailleurs. Et j'en suis fier, putain. Ça c'est mes tabous qui dit tout le temps ça. Voilà, voilà, donc l'épisode où le gameplay était intéressant et le commentary a probablement nul à chier, je m'en excuse. Et j'essaie de faire mieux la prochaine fois. Voilà, voilà. Donc nous arrivons bientôt sur la fin de cet épisode. Il reste à mon compteur à peu près 40 secondes. Donc voilà. Donc là on a pris un coffre. Ah oui, je me rappelle, j'ai dû le trouver sans les onagles. Je n'avais pas trouvé sans les onagles. Voilà, génie national. Donc voilà, nous allons conclure très bientôt cet épisode. Donc là je crois qu'on avait récupéré un artefact de Templier. Donc voilà, nous arrivons sur la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, le prochain sera, je l'espère, bien meilleur. Le prochain qui devra arriver au cours de la semaine, à mon avis.